Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo ASMR. Aujourd'hui, je vais parler à voix basse et un petit peu en chuchotant. Pourquoi? Parce que ça m'a été beaucoup demandé et moi-même j'adore les voix basses. Mais c'est plutôt une voix cassée qu'une voix basse. Première fois que je teste. Je vais te parler des présupposés de la PNL. Alors PNL, c'est pas OTD, hein. Pas du tout. En gros, je vais t'apprendre à ne pas juger les gens trop vite. Je vais t'apprendre à ne pas juger les gens trop vite. D'accord? Car tu verras que ça peut être défaut. Et tu verras que durant cette vidéo, il y a de grandes chances que tu dises « Ah ouais, merde, c'est vrai que je faisais ça. » Et aujourd'hui, tu ne le feras plus. Si tu suis mes conseils. Ça m'a été demandé sur Instagram. On m'a dit, voilà, je me sens toujours observé et tout. Parce que tu t'occupes trop des autres et pas assez de toi-même. Donc, on va voir ça tout de suite. Évidemment, avec moi, j'ai pris quelques amis. J'ai pris un magnifique prix métallique. Qui fait un bruit juste délicieux. Dis-moi ce que tu penses de la voix basse. Même si entre nous c'est pas franchement une voix basse, c'est une voix cassée. Donc que penses-tu de la voix cassée? D'accord. Donc lui, on va le mettre là. J'ai pris avec nous aussi. En ce moment, je le prends beaucoup. Je sais pas pourquoi. J'aime bien. Je crois qu'il a un son un peu unique. Le pinceau. En ce moment, c'est les mêmes tickles qui reviennent, mais en ce moment, je les aime bien. Ok. Et pour finir, alors je sais pas si on va les utiliser ou non, mais en tout cas peut-être qu'en parlant je vais peut-être en prendre un de temps en temps et les utiliser. Ok. Alors tout d'abord, j'ai envie de te dire que l'échec n'existe pas. L'échec n'est qu'un retour d'enseignement. C'est un feedback. C'est quoi un feedback? Un feedback est un retour d'enseignement. Par exemple, si tu as échoué, c'est pas grave, c'est pas franchement un échec, c'est juste un retour d'information. En gros, ça te parvient comme quoi tu n'as pas réussi. Pourquoi tu n'as pas réussi? Cible, pourquoi tu n'as pas réussi? Tu ne referas pas la même erreur. Et du coup, c'est comme ça que tu avances dans la vie. Ça ne reproduisant pas les mêmes erreurs, d'accord? Forcément, moins tu fais d'erreurs, plus tu progresses, d'accord? Donc voilà, c'est très important de faire la distinction entre l'échec c'est nul et l'échec. D'accord. Très très bien. Un autre qui est très intéressant. Le comportement ne fait pas la personne. Le comportement ne fait pas la personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que si tu rencontres un mec énervé dans la rue, ça ne veut pas forcément dire que cette personne est méchante. Ça se trouve, avant que tu arrives, il y a eu un accident. Il a appris une terrible nouvelle. Il peut arriver mille raisons pour que cette personne soit dans le même état, dans cet état. Au contraire, si une personne est vraiment très gentille avec toi, peut-être que cette personne n'est pas réellement gentille. Et peut-être qu'elle joue un rôle. Ce qui nous amène à un autre présupposé. Je cite. Chaque comportement est logique selon son contexte. Chaque comportement est logique selon son contexte. Ça veut dire que jamais, 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 jamais tu verras quelqu'un faire quelque chose
illogique. Jamais de la vie. Si tu vois quelqu'un faire le camp dehors, c'est qu'il a une raison. Tout le temps. Si une personne est déjà trop gentille avec toi, alors que lui-même n'est pas franchement gentil, c'est qu'il y a une raison. D'accord? Ce genre de questions, c'est bien de se les poser régulièrement dans la journée. D'accord? Par exemple. Exemple, t'es au bureau, ou t'es au collège, ou t'es au lycée, t'es ce que tu veux. D'accord? Et t'arrives une situation. Ben c'est bien de se remettre en question, de dire attends, pourquoi il a fait ça? Attends, c'est pas bon. Attends, chaque chose est logique selon son contexte. Donc il avait une raison de faire ça. Pourquoi? Et là, tu te mets à penser correctement. Tu te mets à t'orienter correctement dans la bonne direction. Par exemple, il y a un mec qui se déguise un chat et il va faire le camp dehors. 90% des gens vont le filmer et ils vont dire oh, il est trop grand, t'as vu. D'accord? Mais pourquoi il fait ça? Et seuls 10% des gens vont dire attends, chaque chose est logique selon son contexte. Donc s'il fait ça, le mec, c'est que c'est logique. Pourquoi? Est-ce qu'il a perdu un pari? Ou attends, du coup, tu peux savoir déjà, tu vas commencer à réfléchir logiquement. Tout simplement. Et à force d'avoir ce réflexe de penser comme ça, tu vas tout de suite trouver les solutions beaucoup plus rapidement. Forcément, tu vas te poser les bonnes questions, donc tu auras les bonnes réponses. Une que j'aime bien. L'être et le corps sont reliés. L'être et le corps sont reliés. Ça veut dire que si t'as une blessure physique, tu la soignes, ok. Mais si ta blessure est émotionnelle, alors ta blessure physique reviendra. Beaucoup de gens vont voir un docteur pour se soigner, ok. Mais si la plaie est émotionnelle, alors c'est tout le reste. C'est pour ça qu'il est important de soigner son émotion, son être et son physique. Les deux sont reliés. D'accord ? C'est très important. Un que j'aime bien, c'est ne pas confondre détresse avec besoin de reconnaissance. Ne pas confondre détresse avec besoin de reconnaissance. Celui-là, je ne t'explique pas. Tu dois le trouver par toi-même. D'accord? Celui-là, je ne t'explique pas. Tu dois le trouver par toi-même. Ok, il est pas mal celui-là. Changer de point de vue la caméra lorsque tu bloques, d'accord? Ça marche souvent dans les disputes. Souvent dans les disputes, il faut changer de point de vue la caméra. Par exemple, se mettre à la place de son interlocuteur. Ou bien se mettre à la place de quelqu'un qui est spectateur de cette conversation, d'accord? Ou ça peut marcher chaque fois que tu as une difficulté. Tu dois écrire un texte. Tu te diras, c'est nul. Ben mets-toi à la place de celui qui l'écoute. Mets-toi à la place du public. D'accord? C'est bien de changer de point de vue sa caméra, son angle de pensée. D'accord? Pour avoir un meilleur retour sur son résultat. C'est important. D'accord? Donc c'est bête, mais c'est bien de se poser. Il faut savoir se poser ce genre de questions pour progresser. D'accord?
L'être humain n'est jamais en manque de ressources. L'être humain n'est jamais en manque de ressources. Jamais. Tu ne peux pas être en manque de ressources. Il y en a un autre du même style aussi que j'aime bien. Ce qu'un homme fait, l'autre le peut aussi. Ce qu'un homme fait, l'autre le peut aussi. Ce qu'un homme fait, l'autre le peut aussi. Quand je dis l'homme, c'est l'être humain, bien sûr. D'accord? Et des comme ça, il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup, des présupposés comme ça. On appelle ça les présupposés, si ça t'intéresse. Et en fait, ça sert à quoi? Ça sert tout simplement à... C'est le genre de bonne question qu'il faut se poser au bon moment, d'accord? Si une personne est trop gentille avec toi, ou trop méchant, si tu vois une personne méchante dans la rue, où tout le monde l'insulte, au lieu de toi-même l'insulter, peut-être, dis-toi, le comportement ne fait pas la personne. C'est vrai, c'est une phrase, c'est un présupposé. Alors pourquoi cette personne est comme ça? Et là, tu vas réfléchir humainement, logiquement, et tu auras certainement raison en plus. Les gens jugent avec leurs yeux. Les gens jugent avec leurs yeux. Alors que la réalité, il ne faut pas forcément juger les gens, d'accord? Si toi, il t'arrive un grand malheur, exemple, t'es pressé parce que ta femme accouche, par exemple, du coup, qu'est-ce que tu fais? Sur la route, t'accélères. Mais les gens, ils vont devoir accélérer. Ils vont dire quoi? C'est un chauffard. Il sait pas conduire. Il devrait pas avoir le permis. Ton comportement ne reflète pas qui tu es vraiment. D'accord? Donc c'est important de ne pas juger les gens trop vite. Et de se poser les bonnes questions au bon moment. Ok? Je pense que ça va les débuter. C'est pas facile. Et si régulièrement tu arrives à utiliser les présupposés au bon moment, ça va changer ta vie, je te jure. Tu vas te mettre à penser différemment. Et alors là, je peux te garantir que ta vision de voir les choses va être différente. C'est pas ce que je dis, mais c'est ce que l'autre comprend. Ça, je pense que ça va beaucoup plus aider les gens qui ont du mal à se faire comprendre. Tu vois, des gens qui se disputent souvent, ou autre. Après, ça part. Voilà. C'est tout simplement, le principal, c'est pas ce que l'on dit, c'est ce que l'autre comprend. D'accord? Donc, c'est le genre de phrase qui nous pousse à ne pas juger trop vite les gens. Peut-être dans ce que j'ai dit, ça va peut-être te faire tilt. Peut-être que tu vas dire oh, ah mais c'est vrai. C'est vrai que c'est pas bête. C'est vrai que moi-même, je réagirais comme ça, tu vois. Et là, maintenant, grâce à la question, tu peux les noter, les écrire dans un petit carnet sur ton téléphone. D'accord? Un peu partout. Pas sur ton iPhone, sinon il n'y aura plus de batterie. Mais sinon, je rigole, ça va. Hein? Mais en gros, tu sais de noter. Et cette petite phrase, t'essayes de les ressortir de temps en temps. Pourquoi cette personne réagit-elle comme ça? Dans chaque chose est logique selon son contexte. Exemple, t'es avec un ami. T'es avec un pote à toi, d'accord? Ton pote est naturellement calme, ok? Là, t'invites une fille, donc vous êtes tous les trois. Vous êtes toi, ton ami et une fille. Et là, tu t'aperçois que ton pote change de comportement. Il est très humoristique, vraiment, il est très bizarre. Chaque chose ou chaque comportement est logique
attirer la fille, tu vois. Tu vois, tu peux arriver à des déductions plutôt intéressantes. D'accord? Donc n'oublie pas, chaque comportement ou chaque chose est logique selon son contexte. Ce qu'un homme fait, l'autre le peut aussi. Donner mes préférés, ceux qui, pour moi, sont très utiles dans la vie de tous les jours. Parce qu'il y en a qui sont un peu moins utiles, d'accord? Donc, connaître, se dire que le comportement ne fait pas une personne, va t'aider dans ta vie de tous les jours. Se dire que chaque comportement est logique selon son contexte, peut t'aider, d'accord? Dans la vie de tous les jours. Et quand il y a un truc que tu comprends pas, un truc bizarre qui vient de se passer, pose-toi ces questions et peut-être que tu auras des réponses. Ça t'a jamais intrigué de te dire j'ai envie de penser différemment que les autres? Ça t'a jamais interpellé de te dire pourquoi tout le monde pense toujours pareil? Le cerveau est comme ça. Le cerveau pensera toujours. Si je te dis actuellement un truc bête, hein. Fais-moi un dessin très simple, vite, un dessin tout simple, allez vite. C'est le dessin avec des crayons de couleur là, un dessin que tu préfères, vite là maintenant. Vite, pense à un dessin que tu pourrais dessiner. Là, d'accord, ben je pense, il y a de fortes chances que tu aies pensé un soleil, une maison, une voiture, une fleur, un caillou, un verre, tu vois, des trucs beaucoup d'enfance, autour de l'enfance, d'accord, des trucs, des coloriages que tu faisais quand t'étais petit. Il y a 90% des gens qui vont passer ça. Là, tu vas me dire, mais pourquoi? Parce que le cerveau réagit comme ça. Et pour aller plus loin, je dirais même que ça s'appelle le biais de confirmation. Pour ceux qui connaissent, le cerveau est plutôt un phénomène intéressant, mais il nous joue aussi pas mal de tours. Donc, ne pas trop se fier à ce qu'on voit, mais plutôt à ce qu'on se fait dans sa tête, d'accord? Utilisez les bonnes questions.